Bonjour chers auditeurs, on se retrouve en cette belle journée du 6 octobre au Flossberg. La vie est belle et nous chez 4FM, on aime la vie. Cette vie qui est faite de plein de rebondissements. Et aujourd'hui, on va suivre David qui va aller à la rencontre de personnes qui sont très très bien placées pour nous en parler. C'est une chose dans laquelle vous êtes le plus fier. De mes études, de ma carrière, de mes enfants, bien sûr. Vous êtes fier aussi de leur carrière, de ce qu'ils ont réussi. C'est ça, oui. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous connaître, monsieur. Bonjour. Est-ce qu'on peut prendre une minute de votre temps? Nous, on vient tous les jours au Schloss. Et on habite en Bourreau. Hein. Ah, vous habitez en Bourreau, vous. Mais je suis née à Styrin. Oui. Je suis une fille du secteur. Hein. Et bon, on vient pratiquement tous les jours. Qu'est-ce parce que vous que ça... ici, en fait, c'est le calme. Le calme, l'environnement, ouais. C'est ça qui nous... Tout était bien, là, jusqu'à maintenant. On suis à la retraite, là, maintenant, non. J'ai toujours été travailler dans le commerce, et puis... Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la jeunesse telle qu'elle est aujourd'hui? Alors là, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est différent en fait de notre époque à nous déjà, qui sommes des jeunesses des années 90. Oui. Mais alors vous, qui êtes encore plus ancien, vous voyez ça. Est-ce que c'est plus, on va plus vers un mur en fait, ou on va plus vers du progrès? Enfin, est-ce que vous, dans votre vécu, vous avez souvent été amené à avoir cette jeunesse qui vous manque de respect? Ce serait. Pas beaucoup, oui, beaucoup, est-ce que c'est plus des impolitesses ou on va dire c'est de l'incivilité? Bon, il y a les deux en même temps, hein, parce que bon, le respect, ils ne respectent rien, et la civilité, bon, ben, c'est, allez hop, on jette n'importe quoi, et puis voilà, voilà, c'est le bordel, quoi. Hein, Et si vous avez une chose à laquelle vous êtes le plus fier de ce que vous avez fait dans votre vie, ce serait laquelle? Ben, c'est quand j'avais mon travail, que je pouvais faire mon travail normalement, je pouvais tous les jours mon poste. Ben, c'est ce qui était. Vous avez travaillé combien de temps, monsieur? Ben jusqu'à 63 ans. En tout, votre carrière en tout. Ben à partir de 14 ans. 14 ans jusqu'à 63 ans. Tous les deux. Oh là. Ouais. Est-ce que vous êtes quand même satisfait de votre retraite? Bon, la retraite, oui et non. Quoi, hein. Bon, actuellement on est bridé. Hein. Ouais, ah, les retraités payent les pots cassés, des conneries, des anciens. La direction. Et puis, non. Je vous remercie beaucoup. Hein. Vous êtes vraiment gentil. Je vous souhaite une bonne journée. Hein. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Si je peux me permettre, est-ce que vous pourriez me dire quel est le plus gros regret, justement, que vous auriez aujourd'hui dans votre vie? Dans ma vie, je pense que vraiment le plus gros regret, être dans l'éducation nationale, par exemple. Quoi, ah oui, vous aurait vraiment fait plaisir d'être voilà. Prof oui. Dans la situation pas des jeunes actuels. Pas dans la période actuelle, qui est très, très difficile, mais aujourd'hui, moi, je suis à la retraite, donc j'ai connu sans doute le professeur à l'époque, ou alors l'instituteur, c'était quand même quelqu'un qu'on respectait. Quoi, hein, et donc, je pense que ces gens-là, aujourd'hui, ne méritent pas ce qu'ils ont, quoi, hein, par rapport au travail qu'ils fournissent pour les enfants. Et si vous avez le plus beau des souvenirs pour vous, ce serait lequel? Ah, mon plus beau souvenir, il est ici, hein, puisque c'est mon mariage donc avec Vincente. Et donc, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, oui. Et ça, c'est vraiment mon plus beau souvenir. Voilà. C'est super, je vous remercie beaucoup. Hein. Mais je vous en prie. Voilà. Si je vous demanderais à vous, quel est votre plus beau souvenir de votre vie, monsieur? Ce serait lequel? C'est quand tu l'as rencontré. Oui, voilà. Oui, qui en veut, oui. C'est quand vous avez rencontré madame. Le banc des retraités, oui. C'est le banc des retraités. Vous les êtes rencontrés ici? Non, oui, mais ça fait pas longtemps. Mais depuis qu'il nous a vus, il nous lâche. Oui, mais c'est vrai. Hein. Il dort plus la nuit, il attend avec impatience. Un souvenir de ma vie. Moi, je m'en vais, je raconte. Il y en a beaucoup de beaux souvenirs, mais bon.
Ah non, non, j'ai aucun regret, c'est ça. Vous êtes satisfait de votre vie professionnelle? Oui, bien sûr. Vous avez fait quoi si c'est pas indiscret? Je le referai. Si c'est pas indiscret, vous avez fait quoi? J'ai travaillé à la poste, j'étais facteur. Toute votre vie, vous avez été facteur? Oui, si on... oui, à part quand j'étais à l'école primaire et l'école secondaire. Pour moi, j'étais facteur, oui, et le service militaire, bien sûr. Quel est le regard que vous portez, vous, sur la jeunesse d'aujourd'hui? Voilà, par exemple, là, moi, je suis avec la jeunesse tous les jours parce que je joue au football ici. Tout à l'heure, je pars au football, alors je suis avec les jeunes. Ils sont sympathiques, il n'y a pas de problème, hein. Il y en a d'autres, alors là, ils se mettent un peu à l'écart eux-mêmes, d'après moi. Parce que c'est dommage, je trouve que c'est dommage, hein, parce que, surtout, il y en a qui ne cherchent pas trop les contacts, hein, disons. Oui. C'est pas... À l'époque, notre jeunesse était un peu... C'était différent. C'était, oui, c'était différent. C'était différent. On était du même club, quoi. Là, il y a un peu le club qui change un peu. Pour les jeunes, on parle. Pas pour nous. Nous, on est... nous, on est encore de l'ancien... De l'ancien temps, et voilà. C'est dommage. Hein, c'est... Moi, je trouve que c'est dommage. Hein, que on est arrivé. La jeunesse d'aujourd'hui, elle aurait beaucoup à apprendre, en fait, avec vous. Beaucoup à apprendre, oui, sûr, oui. Ouais, moi, je suis beaucoup plus ouvert. Hein. Il faut être ouvert, il faut se mettre dans le moule chez tout le monde. Je vous remercie, monsieur, pour ces quelques instants. Merci beaucoup. Je voulais savoir si vous aurez aujourd'hui un regret à exprimer sur votre vécu, ce serait lequel? Est-ce que ce serait professionnel, les voyages? Alors, il y a effectivement le côté professionnel. Il y a bien sûr des regrets, parce qu'on aurait pu faire différemment. Et sur le point privé, c'est pire. C'est pire. Ah oui, c'est pire. Et si aujourd'hui vous avez c'est moins justement, pardonnable. Ouais, oui. Si vous avez un bon souvenir aujourd'hui que vous aimeriez partager, ce serait lequel? Alors est-ce que je vais parler d'un plat de pâtes aux palourdes ou d'un événement des plus heureux? Un événement des plus heureux, c'est toujours oui. Oui, un événement heureux, c'était la naissance d'un de mes enfants. Oui. Parce que vous êtes fier de leur réussite? De leur réussite. Ah oui. Ils sont tous bien, ils se sont tous bien pris en main. Ça, c'est voilà. Super. Malgré les aléas de la vie. Exactement, justement. Et les soubresauts qu'on peut avoir. Exactement. Je dirais, l'événement dont je me souviens le plus, c'est effectivement la naissance d'un de mes enfants. Mmh. On dit toujours, c'est 5 minutes de plaisir, et quand on voit, c'est respect pour les femmes. Bien sûr, ça, il ne faut pas l'oublier, surtout qu'elles souffrent beaucoup en ce moment. Et si je pourrais vous demander poser une dernière question, c'est quoi le regard que vous portez aujourd'hui, vous, sur la jeunesse? Quand on écoute tout ce qui est woke ou cancel culture, exactement. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. J'en ai discuté avec un de mes petits-enfants qui, lui, se prépare à l'éducation nationale, mais pour les instituteurs, donc pour les petites. Et je lui disais, je ne comprenais pas. Et il me dit que si la construction de l'identité de l'enfant se fait aux alentours de 7-8 ans, oui. Et c'est donc une certaine logique qu'on commence à lui parler de ces choses-là à cet âge-là. Il dit, le problème, c'est que nous, instituteurs, on n'est pas formés pour ça, ce n'est pas à nous de le faire. D'accord. Et moi, en ayant un autre vécu, je dis, est-ce qu'il faut vraiment embêter des enfants de cet âge-là qui ne se posait pas de questions, et on lui dit, réfléchis. Oui. Oui. Est-ce que tu as il, à elle, à elle, tu changes, tu fais quoi? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, un monsieur qui est à la retraite aujourd'hui, il ne suit plus. D'accord. Je vous remercie beaucoup, monsieur, c'était super. Hein. Merci beaucoup, bonne journée. Hein. Au revoir. La radio de Forbach qu'on est en train de créer, donc ça va s'appeler Fort FM. Waouh, c'est bien. On voudrait faire une radio sur toute l'agglomération, donc on est en train de proposer le projet à nos élus en espérant qu'ils nous suivent. S'ils nous suivent pas, tant pis, on va faire route tout seul. Ça devrait quand même. Ça devrait. Moi j'aurais juste une question, monsieur, à vous poser. C'est par rapport à votre vécu, si vous aurez un meilleur souvenir, ce serait lequel? J'ai fait 31 années de service hier. J'étais à l'école au Kreuzberg dans le temps où il y avait les baraques. Je regrette un petit peu la piscine de plein air qu'on avait là, le folklore. Oui, j'ai vu des photos. Si vous avez vraiment un gros regret, ce serait lequel? Allez, vas-y, dis-le. D'avoir vieilli trop vite. Oui. Ça, c'est vrai que c'est un peu un gros regret. Oui. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Hein. Je vous souhaite une très bonne journée.